troisième grosse map dans le mode survie. On a découvert les deux premières déjà, avec dératisation, immobilier de luxe. Cette fois-ci, on va faire inviter à Portin, et avec la première opération, ça s'appelle Marmot. Même build que d'habitude. En termes de personnage, on va changer. On va prendre Charlie, l'héroïne de la quête principale. C'est parti. Chalet dans la montagne. D'accès ici. Find some cover. Nazis inbound. Un joli point de vue, hein, pour tirer sur ce qui va arriver là. Non, la question qu'on se pose à chaque fois, c'est arriver. Et il l'a pas pris dans la tête. Anticiper son déplacement. Nice, première vague. Bon, on le sait, hein, c'est pas la plus difficile, mais ça donne le ton. Oh là, il y a un sniper dans mon dos là. Casse-couille. Hein. Et va pouvoir causer un bleed. Still bleeding. Got to heal. Ouais, je sais bien, mais. Bam. Le sniper. Putain, il m'a retouché. C'est fou. Hein.
Vacherie, hein, les snipers. T'arrives par derrière. Chopo, ils sont. Pas comme ça, loulou. Attention, ça contourne. Merde, derrière. Ils sont dans leur échelon. Ok. Je fais de la carte radar. Dans le derrière. Enemy hostiles inbound. Look sharp. Sound the alarm. C'est un véhicule, ça. On se déplace aussi rapidement. Ah d'accord. On va l'attaquer tout de suite. Ça bouge en face mais je les vois pas. Ah, ça y est. Pareil dentaire gratos, qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est le véhicule qui a. Ok. Il a marché sur une mine. Merde. Il semblait bien avoir vu quelqu'un au premier plan. Oh, c'est incompréhensible, ces mouvements automatiques là. Pas la première fois que ça me fait ça. Attention. Et ça recommence, mais c'est un. J'ai pas avancé, hein. Promis juré. Dans le bidou. On aura fait du chemin dans son corps, ça. Non.
Mais arrête avec ça là. C'est un truc de dingue. Voilà. Je sais pas si ça... Ouais, à travers le... On arrête de bouger et... Là j'ai un petit souci, c'est qu'il est positionné entre moi et mon Under Shrek. Pour Fredo pour mon garçon. Remise en jambe, ça s'est pas trop mal passé. La crainte maintenant qu'on a un peu d'expérience dans ce mode, c'est les grands espaces ouverts. Hein. Le dernier niveau de la mission précédente a été un traumatisme. Il faut qu'on protège notre base. Déchets, mais on a arrêté leur première guerre. Il a tiré avec quoi lui? Vite que... Putain, enfoiré. Une balle, un mort. Plein cœur, non. Ma théorie sera pas respectée. En plus. Non ! Qu'est-ce qui me refait ? Je suis d'une balle en bas. Oui, il avait pris cher avant. Eh ben nous, on a pris cher aussi.
on a un bon poste hein, quand même là où on est, franchement. On a un bon visu sur tout ce qui nous arrive dessus. Enemy incoming! Find some cover! Il y a une sacrée péteuse là. C'est intéressant à prendre une fois qu'on a acculé à l'intérieur. Ça arrive. Ils sont un peu loin pour l'instant. Hop hop, peut-être pas rester à cet endroit là avec cet angle là. Putain, toujours personne, ça m'inquiète un peu. D'accord, ils en profitent pour. J'ai pas compris pourquoi j'avais pas le viseur là pour l'angle retenir ma respiration. Par là que j'aurais dû me mettre. Waouh, putain. Pourquoi j'ai pas mon. Ah voilà. Pas compris, hein. C'est normal cette affaire. Sniper aussi. À un moment donné, ça va rentrer à l'intérieur par le bas. Command post secured. Best keep it that way. Alors, j'ai pas compris. D'accord, ok. Il y en a un qui est caché là aussi. MJ 42, ça devrait dépoussiérer s'ils veulent rentrer. Et tout de suite, ils ont moins envie de venir. Hein. Il y a des fois, je comprends pas la balistique. On leur tire dessus, mais les mecs, ils. Ça les fait pas vaciller. Attends ici. Ça, ils ont deux points d'entrée. Hein. Ici, pas trop là. Et puis là. Il y a beaucoup de blessés, hein. Bon. On va profiter de la situation quand même.
que là, là on peut en piéger d'une. Merde, les corps ont disparu. Bon, faut que j'aille prendre mon anti-char là. Opération spéciale. Ils nous ont un peu malmenés hein, sur cette vague. Faut l'avouer. Au moins trois corps au même endroit. Il reste un là-haut. Alors j'ai pas vu qui qui m'a fait très mal là. Putain, on commence. Ouais, c'est vrai que ça doit passer un peu à travers les. C'est lui qui m'a balancé de la roquette. Hein. J'aime pas trop la salade. Hein. Ah, t'étais attendu, mon pote. Hein. Alors attention, là. Ils sont rentrés dans le périmètre restreint. Puis si je vise les mecs qui sont loin, les mecs de près vont me rusher.
que vous êtes, les petits salopards. Ah bah, ça, ça c'était, voilà, c'était à prévoir. Il y a tous les pièges qu'on pétait en même temps, ça m'a pété à la gueule. C'est en train d'arriver. Ils sont par là. Ce qu'il fout, lui, il est là en dessous. Je voulais finir au corps à corps. C'est pas la meilleure idée de l'année, mais. Bien, troisième niveau. Alors là, par contre, ça craint du boudin parce qu'il n'y a pas plus ouvert. Pas faire plus exposé. Je sens déjà que ça va être dur. Ils font tous dodo. Il y a le copilote, je crois, qui est pas mort. Je sais pas combien ils étaient dans leur petit camion, mais. C'est faciliter le reste de la vague. Peur de merde. Il fait un joli trou dans son casque. C'est par où là? Oh, le casque, comment il a volé? Attention, merde, sniper me casse les couilles. Et mon... Oh putain. Déchaîner la fureur. Ce bordel, il y a une ressucée de mecs qui arrive là. Damn, I'm losing blood.
Putain, mais alors lui... Il est culotté ce qu'il a fait, hein. Par contre, ils vont tous... me tomber dessus, je suppose. On les rend. On va profiter du sniper pour calmer le jeu. Ça c'est vraiment pas mal hein. Si on arrive à... choper ce genre d'arme sur un camion qui veut débarquer. Bon après c'est l'inertie et le temps d'action. Vu comment ils ont la bougeotte, c'est pas facile. Dommage qu'ils nous le proposent pas. La boum. Première vague qui annonce la couleur. Hein. Not all dead yet. More inbound. Putain, ça recommence. Ah. Peut-être moyen de m'en débarrasser à zap. Ça l'a pas annihilé, dommage. Où ça remue, putain. Ça
ça avance de face. Regardez, beaucoup de gens parlent. Je vois rien. Ici. Pas bon. Putain. Avec son pote derrière. Ouais, ça fait un doublé là. Ça l'a pas tué. Ouais, ça les tue pas, c'est. Ça, ils sont là eux. Encore 14, hein. Nazis have entered the command post. Sur un de mes pièges, on dirait. Ah, là, il n'y a plus personne. C'est bien, commence à y avoir un peu moins de monde, on respire. Tiens, oula, il y a encore un. C'est ça. Préparer la dernière vague.
pas trop vu de lance Rocketman. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il se balade à l'autre bout hein? Alors, la question c'est est-ce qu'il fait tout le temps le même trajet? Le sentiment que ça donne hein. Tu veux. Alors, j'ai bien aimé le petit mouvement vers l'avant alors que il y avait plus de pneus. C'était juste pour que si j'avais tiré avec ma roquette, je l'ai dans l'eau ça. Ça va faire le job ou quoi? Regarder mes balles. Par contre, j'ai plus de quoi faire sauter là. Chose. Ensuite. J'ose même pas imaginer le dernier point parce que déjà on a 28 là. Élimination de Jagger. Bon, si un mec il a mis de pied, il fallait vol. Ah, ça arrive. Ouh là là, dis donc, en masse. Ils sont un peu loin là. Je vais plutôt les surveiller. Ah, par contre. J'ai vu remuer par là. Ok. Ah,
rapproche. Oh là. C'est marrant parce que on voit personne et d'un coup il y a une toujours ce phénomène de rush qui est impressionnant. On se retrouve dans une merde noire. Ils sont plus cuits, ça doit être gérable normalement. Ok. Ça vaut le coup de s'appliquer là. Quand ils sont peu nombreux comme ça. Ok. Charme. L'autre avec l'étoile, c'est lui qui nous a balancé la purée. Okay. Ah, l'autre a mis le pied sur une mine. Par contre... terme de d'équipement pour se le faire, lui, Loulou, là. Je crois pas avoir utilisé ma... Eh, par contre, il y a le... Il y a le mec qui avait le... petit pistolet pour... demander un soutien aérien. Le problème c'est où est-ce qu'il est mort, parce qu'il est... Il est mort en se faisant péter sur une mine. Peut-être mort n'importe où, hein. C'est assez bizarre le... la répartition des armes anti-char. Des fois on a ce qu'il faut et des fois on est... très mal loti, je trouve. C'est vraiment couillu, hein, de faire ça. Merde, je dois pas avoir de char. Ouais. Ouais, ça marche bien, hein, les balles perforantes. Bien. Ouais, on est qu'au troisième point, on a déjà 80 000. Alors, la maison, ça peut être bien tenir. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle est, elle est creuse. Il n'y a rien à l'intérieur pour se cacher. Alors, par contre, très important, on rebascule en classique. Ouais, et effectivement, elle est creuse, c'est-à-dire qu'on peut pas se cacher à l'intérieur. Il y a, par contre, il y a ici. Par contre, de quel côté? Ouais. Ça va dépendre de quel côté ça... ça arrive, en fait. Parce que là c'est le bout de map, donc c'est à dire que ça vient de par ici. Oh putain.
passera pas. Ils sont déjà... Oh putain, ouais, sniper. Bougez pas trop lui, hein. Ça arrive sur le côté là-haut. Putain, mais qui m'a foutu un shoot là? Ah, il y a deux secondes, il y avait personne, j'en avais tué trois. Il y en a déjà trois qu'on... Il va peut-être crever lui. Hein. Puis alors, en attendant, sur ma gauche, ça va arriver plein cul. Plein cul. Merde, ça arrive aussi de par là. Le camion, il est où? Je le vois pas. Ok. Ça arrive de quel côté là? Ouais bah oui. Les enfoirés là. Grenade 1. Putain. Putain, il avance pas l'autre. Il veut vraiment me prendre à revers. Il va attaquer quand je m'y attendrai le moins. Quoi? Ouais. Command post secured. Bloody good work. Ah d'accord, il va. Ok. Sniper. Je sais pas si j'aurais dû m'en occuper parce que... me permettre de... piéger des corps, c'est important là de préparer la suite parce que ouais, on peut rien faire si c'est vraiment nécessaire. Non! Là, j'avais pas regardé mes balles. Eh ben, ça promet pour la suite. Hein. Bon, ça nous donne un peu déjà une idée de par où ils arrivent. Panzerfaust needs must. Je pense que ça
ça vaut le coup de l'avoir plutôt de ce côté-là. Look sharp, enemy incoming. Putain, commence. Ça devait être un véhicule, mais... Ça arrive en masse. Ça arrive de ce côté-là, mais... Si. Nazis have entered the command post. Putain, mais je comprends pas le nombre de balles... Ça doit être lié à la précision de l'arme qui est merdique. Si j'ai un peu trop bougé avant. J'en étais sûr que le mec à proximité il allait attendre que je vise au loin pour sortir du bois. Il est pas seul. Ok. Très encore. Hein. Un peu pessimiste, mais j'en ai buté que la moitié. Hein. Enfin, un peu plus. Je me suis là. Un peu en mouvement. Ce qui est embêtant sur la carte, on sait pas trop si s'ils vont être là ou plutôt par là. Je n'ose même pas imaginer le mode de jeu sans la carte. Ça serait vite une boucherie. Alors après, faut être à plusieurs. Solo, c'est un peu... ça doit se faire, hein, mais... J'ai pas vu le chef. Il a fermé l'angle. Ça rattaque par là. Il est peut-être pas vu avec l'angle. Lui par contre m'a vu. Ou il m'a entendu en tout cas. C'est bon, à 7 on reprend le lead, la maîtrise. J'ai reculé, ça sert à rien de s'exposer bêtement. Ah, le véhicule est séparé. On va en profiter pour... préparer la... Oh là.
La dernière vague, forcément, le véhicule s'en a profité. Anticiper un éventuel mouvement est malin. Hein. Péter le foie. Bon, bien, bien, bien. Alors là, c'est très, très important. La dernière vague est en jeu. C'est à quel point elle peut être difficile. Faire ce qu'il faut, on n'est pas de regret, pas cracher pour l'instant. L'occasion de garder pas par là, on a tapé pas mal de mecs, je les vois pas, c'est un peu plus haut, j'avoue, je retaperais bien des balles comme ça, parce que c'est ce qu'il va me voir. Ça a l'air d'être au bon endroit, ça fume, mais... Enfin, j'ai pas compris ce qu'il m'a fait là. Je voulais le lancer et... C'est que la tourelle est encore active. Donc. Pas crevé, hein, le machin.
Détestable cette bestiole. Ça a crevé, ouais. Eh bah bon dieu. Non. Désamorce pas. Ça pourrait bien me servir. J'ai bien fait mon travail, hein. More hostiles incoming. Get to cover. On va se la mettre là. Alors. Oh putain! Commence fort. J'ai pas vu où il était. Putain. Et il va m'empêcher de. Pas mal. Ça y est, ça arrive en masse. Là, il y a un point de. Difficulté pour eux. Attention, c'est ça. Merde. Pas sûr qu'il soit mort. 20 déjà, on en a tapé un tiers. Merde, ici c'est quoi? Ok, c'est une unité. Under Shrek. Bien. Oh là! Ils ont foiré. Le problème c'est que je sais pas où elle arrive. Ouais, en plein sur moi. Je vois pas où ils sont là. Pas de visu. Okay. Bon, c'est con, je tire sur des éclopés, c'est pas ce qu'il y a de plus. Il y avait des points d'exclamation, je les ai vus. Je les ai vus à un moment donné. Bah après ils vont peut-être marcher un peu sur mes mines quand même. Okay. Bah lui faut le buter direct hein. Il peut nous causer des soucis. Toi t'es... Attention derrière. Il est où? En bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Merde, il est passé. Causer des soucis. Dire, mais là on est bien. Il en reste 7 et il n'y a qu'un point. Pas bien ce que je fais, mais. Ouais, alors c'est comme s'il y avait deux chars au loin.
paye, il semble. J'ai eu qu'un sniper, généralement il y en a au moins deux. Je suis un peu partagé là sur la stratégie adoptée. Parce que gentiment j'attends qu'il vienne me voir. Ma carte, ça peut pas m'aider. Ça paraissent pas les. C'est original, hein. C'est la première fois que il reste du monde et que ah. Un premier. Pas intelligent, non. Pas qui tire. Déjà, s'il pouvait regarder ailleurs. Un peu de quoi se cacher par là. Attention, il y a un deuxième point là. Il me semble que j'ai gagné une charge là. Ça l'a tué direct, non? D'accord, ouais, bien ce qu'il me semblait. En tout cas, les balles explosives, vraiment bien dans le cul, enfin, qui transpercent dans son derrière, c'est d'une efficacité redoutable. D'ailleurs, je me demande, je cherchais un Panzerschreck. Vu que j'ai 45 balles, je pense que je vais tenter le fumer comme ça. Assez dans l'axe. Ouais, faut vraiment être voir le truc rouge au travers. Et ben bon Dieu, c'était intense. C'était intense, mais j'ai trouvé que contrairement à la deuxième map, première mission, avec de la stratégie, on est beaucoup plus en maîtrise. J'ai vraiment trouvé que la dernière fois, on a subi à mort et que la topographie des lieux nous aide vraiment, vraiment. Alors, on a débloqué une médaille qui est également un trophée. C'est de réussir à 3 fois cet exercice. Survivre aux 12 vagues. Vraiment sympa comme mode exigeant. Alors je pense qu'à plusieurs ça doit être encore plus drôle et sympa, parce qu'au moins on peut se couvrir. Là vraiment on est obligé de compter que sur nous-mêmes. Voilà.